يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. عائشة رضي الله عنها أدي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déployait des efforts dans les 10 derniers jours du ramadan, plus qu'il n'en déployait ailleurs. Donc nous sommes dans une période justement où c'est un petit peu comme les promotions. Celui qui rate la deuxième démarque, les 70%, la deuxième démarque, quasiment elle a tout raté. Beaucoup d'entre nous justement on est dans ce cas-là, quand on sait que cette enseigne fait la deuxième démarque, voire la troisième démarque, on se dit si j'y vais pas, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Si je n'y vais pas, je vais être considéré comme un perdant. Il ne faut pas être un perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement l'a dit. Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est le vrai perdant. Rahima anfu. Le perdant est celui qui a réussi à vivre le mois du ramadan. Il n'a pas acquis le pardon divin. Et on sait très bien que durant chaque soir, Allah azza wa jalla choisit des gens pour qu'ils soient à vie, interdits de l'enfer. Ce qu'on appelle en arabe le utaqa. Interdits de l'enfer. Je n'ai pas dit du paradis. De l'enfer. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont voués au paradis. Et le prophète a dit, et ce, chaque soir. Donc nous devons, mes frères et sœurs, déployer des efforts plus que nous les avons déployés au début du mois du ramadan. Dans les 10 derniers jours, se trouve la nuit de la valeur, ou la nuit du destin, ou la nuit du décret. Et ça, vous allez comprendre en avançant justement dans les explications. La nuit du destin, parce que le destin de chacun d'entre nous peut être tracé durant cette nuit-là. La nuit de la valeur, parce que le qadr en arabe signifie aussi la valeur, elle a une grande valeur justement parce que Allah Azza wa Jalla dit, dans les versets coraniques d'ailleurs, les anges descendent, le Coran a été révélé, etc. Le problème c'est que on se pose tous la question, où se trouve l'aylat al-qadr? Pour beaucoup de gens, l'aylat al-qadr dit c'est le 27 du ramadan. Alors il y a une version qui dit que c'est le 27 du ramadan dans un hadith rapporté par Muawiyah, cité par Muawiyah, rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, qui disait que la nuit de la valeur, la nuit du destin se trouve la nuit du 27. C'est aussi l'avis d'Ibn Abbas, c'est aussi l'avis de Ubay ibn Ka'b. Et quand on a dit à Ibn Abbas pourquoi cela était son avis, il a dit parce que le chiffre 7 est un chiffre qui revient beaucoup dans les prescriptions, voire dans ce que Dieu a créé. Il a créé les cieux, il a créé 7 cieux, il a créé cette terre, il a créé l'être humain en 7 parties. C'est ce qu'on voit dans la sourate numéro 23, sourate al-Mu'minun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Donc il a créé l'être humain en 7 parties, en 7 étapes, pardon. Le tawaf autour de la Kaaba est de 7 tours, les allers-retours entre Safa et Safa et Marwa sont au nombre de 7, les jetées de pierres pendant le pèlerinage sont au nombre de 7, et donc ça c'était son avis, c'était au nombre de 7. En revanche, il y a d'autres hadiths, donc ça c'est ceux qui disent que c'est la nuit du 27. Mais il y a d'autres hadiths qui nous laissent penser que la nuit de la valeur, la nuit du destin, se cache, exactement comme l'heure du vendredi. L'heure où Dieu exauce les deux pendant le vendredi, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Et bien c'est pareil pour la nuit de la valeur, afin justement que le musulman ne soit pas économe, mais qu'il déploie des efforts. Alors le prophète sallam dans certains hadiths, il nous demande de chercher la nuit de la valeur dans les nuits impaires des dix dernières nuits. 21, 23, 25, 27, 29. Le problème aussi qui réside ici, c'est que tous les pays du monde n'ont pas commencé en même temps. Donc quand c'est 21 pour nous, dans d'autres pays c'est 20. Quand dans d'autres pays c'est 21, pour nous c'est 22. Donc c'est quoi la meilleure des solutions? C'est de considérer l'aïd al-qadr du 20 jusqu'à la nuit de l'Aïd, la nuit précédant l'Aïd. Au moins on est sûr qu'on est dans les clous. On est sûr d'être dans la nuit de la valeur. Et de considérer chaque soir comme une nuit de la valeur. Au moins on est sûr que nous allons bénéficier de ces bénéfices. Et il y a un autre hadith qui rapporte que le prophète sallam a dit, j'ai rêvé ou j'ai vu que la nuit de la valeur serait dans une nuit où il y a de la pluie et de l'argile. Le compagnon qui rapporte l'histoire, il dit, et lorsque nous avons accompli la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu que sur son front, il avait plu cette nuit-là, et sur son front il y avait de l'argile. Ce hadith nous montre que cette nuit s'est trouvée le 21 ramadan. Et dans un autre hadith,
il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu vous informer de la date où se trouve la nuit de la valeur, la nuit du destin, quelque part cette année. Mais j'ai vu un tel et un tel se disputer et j'ai oublié. À cause d'eux, j'ai oublié. Certains savants disent que ça montre le côté néfaste, justement, qu'il n'est pas bon, justement, que les musulmans se disputent entre eux. Mais bref. Farufi'at, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il se peut que ce soit un bien pour vous, cherchez-la durant la 7e, la 9e ou la 5e. La 7e, la 9e ou la 5e. Il a dit comme ça dans cet ordre-là. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, cherchez-la dans les 10 dernières nuits du ramadan. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la nuit de la valeur? Dans la sourate 44, sourate Dukhan, Allah Azza wa Jal dit « Fiha yufraqu kullu amrin hakim » Durant cette nuit, tout ordre sage est décidé. Et Al-Qurtubi et d'autres bien sûr, Ibn Kathir, on peut voir aussi ça dans le tafsir d'Ibn Kathir, cite que durant cette nuit de la valeur, tout est décrété, les naissances, les décès, les accidents, ceux qui vont guérir, ceux qui vont tomber malades, ceux qui vont, les sécheresses, les saisons de pluie, tout est décidé cette nuit-là. Et donc cette période-là, il faut multiplier les du'as. Ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète, sallam, fils de Abbas, radiallahu anhu, il disait, l'être humain, l'individu marche entre les gens, alors qu'il et durant la nuit-là, il a été noté qu'il fait partie de ceux qui vont mourir cette année. Donc, cette nuit-là, justement, c'est de multiplier les du'as pour qu'Allah Azzawajal nous destine vers ce qu'il y a de bien, éloigne de notre chemin ce qu'il y a de mauvais, comme il a été rapporté. « La yaruddu al-qada'a illa du'a, wa la yazidu fil umuri illa al-bir » Seul la du'a peut transformer, peut changer le qadar. « Wa la yazidu fil umuri illa al-bir » Et seule la bonté envers les membres de la famille augmente la vie, la durée de vie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons en prière ou en récitation du Coran, bref, en adoration pendant la nuit de la valeur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Quiconque veille ou est en prière durant la nuit de la valeur, c'est avec foi et espoir de la récompense, ses péchés passés lui seront effacés. Et pour terminer, il est très bon de dire, chaque soir, parce qu'on ne sait pas où se trouve la lune de la valeur, il est bon de dire « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » On peut dire aussi « fa'fu anna » Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. « Walhamdulillahi rabbil alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. »